Voilà la ville de Baraka dans le territoire des Fils. Nous venons de quitter Baraka pour un endroit X. Donc nous sommes dans un bateau. La cause, c'est parce qu'il n'y a plus la route. Je me rappelle, auparavant, il y avait une route qu'on appelait route nationale numéro 5. Comme aujourd'hui, nous supposons qu'il y avait une route, il y avait une route parce qu'il n'y a plus de la route nationale numéro 5. Et puis, il y a beaucoup de tracasseries. Si tu passes en cours de route, beaucoup de barrières, de militaires. Et c'est pourquoi la population a choisi de passer par la voie maritime dans le lac Tanganyika. C'est la voie de Kivu, la voie de Sambois, toujours au service du peuple. Ici, la ville de Baraka, dont vous voyez la ville que nous voyons là-bas, c'est la ville de Baraka. Nous venons de quitter la ville de Baraka pour la ville d'Ouvira. Mes chers frères et sœurs, nous venons, comme vous le voyez, nous venons de quitter la ville de Baraka. Voilà, c'est à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu. Nous appelons ça la ville de Baraka. Baraka Town. We leave Baraka Town to Uvira Town. After Uvira, we continue until where we know. He is the voice of Kivu. We pass in the Tanganyika Lake. It is because there is no roads. Before there were the roads. Voilà, vous voyez là-bas, munaona soko ya Mwemezi, le marché de Mwemezi est là. Ngo moni boye ondo de benga marché Mwemezi. Weza ba boîte uti na ubwari. Mitumbu lio to katika kisanga cha ubwari. Kisanga cha ubwari, donc ubwari c'est là. Ubwari là, le presqu'île d'Ubwari. Alors, nous sommes déjà au quartier Mwemezi, le marché de Mwemezi, grand marché de la ville de Baraka. On part, on vient de quitter Baraka ville pour un endroit là où vous savez, on est toujours en cours dans le lac Tanganyika vers la ville voisine. Auparavant, on passait avec des motos, des voitures, mais pour le moment, c'est difficile. Je pense que je vous ai bien dit que non dans nos émissions. Nous sommes dans la désobéissance fiscale, c'est à cause de la route, les temps de la route et puis les tracasseries aussi. Il y a les militaires, donc on nous a amenés, qu'on dit les militaires, les commandos. Mais moi, je ne peux plus les appeler les militaires parce qu'ils ne font que piller la population. Je peux dire piller, c'est parce qu'on t'oblige. Pourtant, il est payé, mais tu es obligé de payer 500 pour combien de barrières. Et c'est pourquoi la voix de Kivu, nous sommes là, nous avons choisi de passer ici pour vous montrer la situation actuelle de la ville de notre pays, dont nous appelons la République démocratique du Congo. Soyez avec nous, vous allez voir jusque là où nous allons arriver. Nous sommes toujours avec vous.